Donc voilà, cette séance consacrée à l'idée de déterminisme chez Spinoza et les conséquences que ça entraîne. Alors vous avez donc répondu à ce que vous avez compris de ce passage. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de relire déjà les réponses des uns et des unes et des autres. Et de voir si jamais il y a une réponse avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous voyez un problème dans l'idée que reformule la personne. Donc je vous laisse un petit temps pour relire ce que chacun et chacune a écrit. Je vais complexifier un peu la consigne aussi en mettant du positif, parce qu'on regarde tout le temps les problèmes, etc. Mais on va aussi voir vers du positif. Est-ce qu'il y a une formulation que vous trouvez particulièrement pertinente, particulièrement intéressante et qui vous donne à réfléchir? Donc, soit vous voyez un problème, soit vous trouvez qu'il y a une formulation particulièrement pertinente. Et qui a besoin de temps encore. On est bon? Ah, il y a Guy et Yannick qui ont disparu en même temps. Bon, ils vont peut-être réapparaître. Allons-y. Alors, soit vous trouvez une formulation particulièrement éclairante, soit vous voyez un problème chez quelqu'un qui veut se prononcer. Vas-y, Aline, ce serait. Alors, plutôt quelque chose d'éclairant ou plutôt un problème, tu vois?
chose d'éclairant, Oui, d'éclairant. La formulation chez Yannick, cette compréhension tempère nos affects envers eux, envers les autres, quoi. oui. Et je trouve que c'est éclairant parce que, effectivement, l'idée, c'est d'affaiblir les affects et pas, comme si on les faisait pas vraiment disparaître, mais la compréhension, ouais, elle nous. C'est ça, elle nous permet de tempérer des sentiments peut-être un peu trop extrêmes qu'on pourrait avoir. Ok, donc tu insistes sur le fait que ça ne fait pas disparaître nos affects, mais Oui. que ça les tempère. Et tu trouves que ce mot tempérer est approprié, quoi. Oui, parce que dans le texte, voilà, Spinoza dit vers la fin, nous tolérons. Oui. Et de tolérance, voilà, il y a l'idée d'une certaine souplesse. Et puis à la toute fin, il dit, nos affects se diluent et s'affaiblissent. Oui. Ils disparaissent pas complètement non plus, mais notre compréhension a permis de les tempérer. D'accord. Je trouve que c'est éclairant ça. D'accord. Donc, insiste sur ce mot tempéré. Alors, c'est des personnes qui ne comprennent pas ce que dit Aline. C'est des personnes qui ne seraient pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut considérer que Spinoza considère qu'on tempère nos affects, mais il ne s'agit pas de les faire disparaître? Oui. Donc, on serait d'accord avec ça. Et la compréhension va les tempérer. Quelqu'un pourrait expliquer en quoi la compréhension permet de tempérer nos affects et non pas de les faire disparaître. Ou éventuellement, si vous avez un exemple pour illustrer ça. Oui, Corinne. Alors, le fait de comprendre, le fait de se mettre en compréhension et de se rendre compte que le dommage éventuel ne nous est pas destiné, mais il est le résultat de plusieurs causes ou conséquences, ne nous met pas directement en cause. Donc, en fait, on peut se décentrer. Et se rendre compte qu'on n'est pas l'objet du problème, on n'est pas la cible plutôt. Voilà. Pas la cible. D'accord. Et donc, quand je me rends compte que je ne suis pas la cible, ben, ça va soulager un affect. Oui, je ne suis pas directement visée, je ne me sens Voilà. pas victime. Oui, voilà, on n'est pas victime. Alors, autrement dit, c'est si je crois que je suis visée, c'est là que mon affect va justement devenir excessif. Ok, on pourrait s'interroger là-dessus d'ailleurs, ça semble assez vrai, hein. C'est quand je crois que l'autre me veut du mal que waouh, alors là, mon affect devient très fort. Mais pourquoi au fait, c'est souvent ce qui se produit. Pourquoi quand je. Alors je renvoie à tout le monde, hein. Pourquoi quand je crois que l'autre me veut intentionnellement du mal, alors là, je suis très affectée. Hélène? Ben, peut-être que ce qui m'affecte, c'est de penser que la personne pourrait faire autrement, en fait, et le fait que on ait l'impression qu'elle nous fait du mal délibérément soulève chez nous un affect Oui. d'agressivité ou de colère, alors que penser que il le fait pas exprès vraiment, enfin que c'est involontaire quelque part. Oui. Calme en tous les cas l'affect de la colère ou de la vengeance. En tous les Ouais. cas, pour certains affects, ça peut peut-être fonctionner. Hein, je dis. Donc c'est dans ce cas, si je crois que l'autre pourrait faire autrement, je suis dans quelle vision de la liberté, du rapport à la liberté? Je suis déterministe ou je pense qu'il existe un libre arbitre?
Ben, là, c'est plutôt si je pense qu'il peut pas faire autrement. Non, si je pense qu'il peut faire autrement. Eh ben, oui, là, je suis dans une notion de liberté, de non-déterministe. Donc, si je pense qu'il peut faire autrement, Ouais. je pense qu'il est libre, mais cette idée de liberté, va m'affecter parce que je me dis qu'il aurait pu faire autrement. Voilà, et là je pense que c'est plus douloureux. On peut peut-être le comparer à un rapport peut-être à l'animal, un animal qui agresse, enfin, ou un lion qui mange une gazelle, par exemple, même si c'est dur en soi, même si l'acte est dur, on se dit qu'il ne peut pas faire autrement. Il faut bien qu'il mange, il y a une espèce de notion comme ça, de déterminisme, et Et où qui on ne le fait qu'on voit arrive pas mieux. avec la même violence que. Ouais. Ok. Alors, Guy et Yannick, on vous a vu disparaître, on vous voit réapparaître. Donc, Oui. on est parti. Je fais un petit résumé. Aline a souligné l'usage du mot tempérance que tu as fait, Yannick, dans ta formulation, qu'elle a trouvé particulièrement pertinent, parce que ça veut dire que les affects ne disparaissent pas. Mais ils sont adoucis, ils sont tempérés par la compréhension des causes. On en était là. Et puis ensuite, Corinne a expliqué que, eh bien, si c'est adouci, parce que je comprends, je sais plus ce que tu as dit, Corinne, je comprends que l'autre peut pas faire autrement, c'est ça? Je sais plus. Pas tout à fait. Ouais. Je comprends ça, mais je comprends aussi que c'est le résultat de plusieurs Oui. choses et que ça ne m'est pas adressé personnellement. C'est ça. Voilà, ça ne m'est pas adressé personnellement. Et ensuite, on s'est demandé, mais pourquoi, quand je crois que ça m'est adressé personnellement, ça m'affecte particulièrement. Hypothèse d'Hélène, ça m'affecte particulièrement parce que je me dis, mais il aurait pu faire autrement. Et donc, il m'a vraiment ciblé et ça me fait mal de me dire qu'il aurait pu faire autrement. On en était là et donc, c'est peut-être ça qui m'affecte quand je pense que je suis ciblée. Alors, est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec Hélène? Donc, apparemment, tout le monde est d'accord avec toi. Est-ce que quelqu'un avait un autre argument pour expliquer mais pourquoi, quand je pense être ciblée, ça m'affecte particulièrement? Oui, Sabine? Ah, on t'entend pas, Sabine, il faut que tu remettes ton micro. Ah bon. Là, vous m'entendez? Oui. C'est comme si peut-être le fait d'être ciblé particulièrement, ça remettait en cause peut-être sa valeur intrinsèque, son essence, comme si quelque chose en nous provoquait ce mal et ça produit peut-être comme un sentiment, je sais pas, de culpabilité, de. C'est en gros, qu'est-ce qui cloche en moi pour qu'il s'attaque à moi particulièrement, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. D'accord, donc qu'est-ce qui cloche en moi? Il me semble que tu as dit deux choses. Est-ce que Sabine a dit autre chose? L'essence, la valeur d'un C'est ça. côté, puis voilà, qu'est-ce qui cloche en moi pour qu'en gros, alors qu'il y a 7 milliards d'humains sur Terre, ils s'entraînent à moi, enfin, Ouais. quelque chose de cet ordre-là. Ça pourrait même aller jusqu'à la culpabilité. Si quelqu'un Oui. me veut du mal, c'est que je suis coupable. C'est des phénomènes qu'on peut voir se produire hein, chez certaines personnes qui sont victimes. Elles se croient coupables, bizarrement. Hein. Donc, évidemment, ça rajoute des affects extrêmement négatifs et violents quoi, pour la personne qui le subit. Ok. Ça va ce que dit Sabine ouais. Donc, il y aurait finalement trois raisons. D'un côté, ça remet en cause quasiment mon essence, mon existence, quoi. Et puis ensuite, ce que tu dis, ça peut me culpabiliser. Et puis Hélène, ben, on pourrait penser qu'il aurait pu faire autrement. Pourquoi il s'en prend précisément à moi? Ça nous fait trois raisons. Quelqu'un en voit une autre? Oui, Corinne? Après, il y a le doute sur l'amour que la personne nous porte. Eh oui. Et De se sentir du coup pas aimé. oui, hein, si je pense qu'elle me cible particulièrement, c'est qu'elle ne m'aime pas. Et moi, je voudrais être aimée. Donc,
Donc, ça va m'affecter particulièrement. Ça nous fait quatre raisons hein, pour lesquelles on peut être très affecté par cette idée du libre arbitre, finalement. Que l'autre a bien choisi de nous cibler, nous. Okay. Alors, évidemment, Spinoza, lui, ne voit pas les choses comme ça. L'autre n'a pas choisi de nous cibler. L'autre, s'il nous fait du mal, ce serait pour quelle raison, selon lui? Alors, je ne vois pas les mains qui se lèvent là, il faut les lever plus clairement. Oui, vas-y, Guy. Parce qu'il ne sait pas faire autrement. Oui, hein, pourquoi il me fait du mal? C'est qu'il ne sait pas faire autrement. Ok, bon. Autre hypothèse, alors, pourquoi il me fait du mal? Oui, Jennifer? Ben, ce que dit Spinoza, c'est que c'est comme une nécessité en fait, en fonction de tout ce qui a déterminé cette personne-là, tout ce qui a fait qu'elle était cette personne, toutes les causes qu'on fait qu'elle en arrive à nous faire du mal, en fait, du coup, c'est nécessaire, en fait. En fonction de tout ça, c'est nécessaire que ça aille sur nous, en fait, mais en fait, c'est pas sur notre personne, quoi, puisque Ouais. c'est... Et y a une question de nécessité, hein, je m'explique. nécessité, comme le lion peut me manger une gazelle ou voire me manger moi si je me trouve sur son chemin. Oui, c'est ça, sauf que Et... celle-là, elle est plus facile à voir, cette nécessité-là, parce que c'est faut qu'ils se nourrissent, quoi, Oui, mais voilà, elle est facile à d'accord, voir. c'est ouais. Mais Et c'est ça. d'ailleurs, pour la comparaison avec l'animal que faisait tout à l'heure Hélène, mettons que le lion mange une personne que j'aime. Ou que quelqu'un dévore, fasse du mal à quelqu'un que j'aime et le tue, j'en voudrais plus à la personne qu'au lion, peut-être. Mais parce que justement, j'ai cette idée qu'il pourrait faire autrement. Alors, donc pour Spinoza, il ne peut pas faire autrement parce qu'il est pris par un certain nombre de causes qui le déterminent. Donc, est-ce que, alors on pourrait dire, mais est-ce qu'il n'arrive pas qu'on fasse du mal intentionnellement à quelqu'un? Je veux lui faire du mal et je lui fais du mal. Il y a bien une intentionnalité. Ouais. Très consciente, j'ai décidé de lui faire du mal. Alors, qu'est-ce qui répondrait Spinoza à ça alors? Oui, Sabine? Il répondrait que le mal que fait la personne lui est utile pour son conatus, enfin pour son sa nécessité d'exister. Il a besoin de ça pour s'accomplir. Oui. Et que du coup, c'est un mal peut-être pour vu d'un certain point de vue, mais pas un mal en soi, un mal absolu. Ça va ce que dit Sabine? Est-ce que vous pensez que c'est en accord avec ce que dit Spinoza? Ou est-ce qu'il y a des personnes... Enfin déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qu'a dit Sabine? Non, c'est clair pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est en accord avec ce que dit Spinoza, ce qu'elle a dit? Oui, hein, donc pour augmenter son conatus, bah, il va peut-être me détruire, me violer, faire toutes sortes de choses affreuses. Hein. Mais on ne pourrait pas dire que c'est du mal en soi, en tout cas pas pour Spinoza. Hein. Évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il voit les choses. Hein. Ok, autre chose, l'autre me veut du mal intentionnellement, Yannick. Et on t'entend pas, il faut que tu remettes ton micro. Il y a mon cliqueur qui est un peu lent. non, dans la question que tu posais, est-ce que si quelqu'un a intentionnellement voulu faire du mal, je pense que Spinoza dirait que c'est une vue de l'esprit, le fait que c'est intentionnel. C'est pas vraiment intentionnel. Il a pas vraiment eu le choix. Donc, je crois que selon lui, ça n'existe pas vraiment quelqu'un qui intentionnellement Oui. Mmh. voudrait faire du mal. Donc celui qui veut, parce que ça arrive quand même que des humains pensent faire intentionnellement du mal, par vengeance par exemple. Oui, mais ça, c'est aussi le résultat Oui.
Hein, donc Spinoza dirait, OK, tu crois que tu le fais intentionnellement, mais tu te trompes. C'est déterminé par des causes que tu ne connais pas. Oui. Hein, donc à nouveau, illusion du libre arbitre. On voit que dans la vision déterministe de Spinoza, le libre arbitre, ça pose des tas de problèmes en fait. Hein? Ce qui fait que je vais en vouloir à l'autre parce que je pense qu'il pourrait ne pas, qu'il pourrait faire autrement. Et ça peut me rendre violent parce que je crois que je veux lui faire du mal, sans me rendre compte quand j'ai que je suis déterminée par d'autres causes. Ah. Ah, Nadia qui nous laisse. Bon. OK. Donc, on a fait le tour là. On est parti de cette idée que que ça ne fait que ça tempère. Hein, la compréhension va tempérer nos émotions, nos affects, sans les faire disparaître. Hein. Ça veut dire que nos affects sont quand même là. C'est-à-dire que si quelqu'un, je sais pas, me violente, j'ai quand même des affects. Mais ils seraient tempérés par cette vision des choses. Ça va, c'est juste, si on dit comme ça marche avec ce qu'on peut comprendre de la philosophie de Spinoza. Donc ça serait pas, autrement dit, il ne serait pas possible de ne pas avoir d'affect triste ou de colère ou de peur dans une situation, dans ce genre de situation. On a quand même bien ses affects. Ouais. Et alors, pourquoi on les a alors du coup? Puisque si on a compris que l'autre, il est pris par des causes qu'il ne connaît pas, pourquoi on a quand même ses affects? Oui, Guy. Mais parce que le problème, c'est ce qu'il appelle la servitude, c'est-à-dire que on essaye de comprendre, mais comprendre totalement tout ce qui se passe, c'est une sorte d'idéal. C'est pour ça qu'il a appelé son livre l'éthique. Et une éthique, c'est un programme qui est effectivement compliqué à réaliser à 100%. Mais c'est vers ça qu'il faut tendre, quoi, d'après lui, D'accord. je C'est pense. une sorte d'idéal, mais je ne peux pas comprendre tout ce qui se passe. Et si je ne comprends pas, ben justement, c'est les affects qui vont prendre le dessus. Hein? Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que dit Guy? Non, c'est compris par tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec ça? Je serais d'accord. Est-ce que quelqu'un, je vois que tu levais la main, Yannick, c'était une autre idée? Oui, moi je pensais que c'était aussi tout simplement parce qu'il y a simplement la séquentialité. On a d'abord l'affect, on ne sait pas ce que l'autre va faire, donc on a d'abord l'affect arrive et c'est seulement après qu'on va commencer à réfléchir. Donc c'est pour moi, ce n'est pas tellement étonnant. J'ai l'impression qu'il y ait d'abord les affects, puisque on ne sait pas ce qui va se passer et on réagit d'abord par un affect. C'est après, justement, c'est la façon de laquelle on va traiter cet affect qui est différent. D'accord, mais cet affect, d'accord, il est premier. Hein. Oui, voilà. Voilà, si j'avais aucun affect, ce serait étrange. Hein, je serais une machine et puis je ne pourrais pas comprendre du coup. Hein, peut-être le robot n'a aucun affect si on lui crie dessus, mais l'être humain, non, il a des affects. Dans un premier temps et dans un deuxième temps, il peut comprendre. Pas toujours, mais il a la possibilité de comprendre. Donc, dans ce que tu dis, Yannick, l'affect serait ce qui va déclencher cette compréhension. Finalement, oui, on peut presque dire ça, en fait. Oui, parce que c'est le signal qu'il y a quelque chose qui se Oui. passe, Oui. qu'il y a quelque chose à chercher à comprendre. Est-ce que je pourrais, autrement dit, comprendre ce qui se passe si je n'éprouvais pas d'affect? Je renvoie à tout le monde, hein, puisque là, ça va l'argument de Yannick, tout le monde l'a compris? Oui. Alors maintenant, si je n'avais pas d'affect, peut-être il y a des maladies comme ça, on n'a pas d'affect, ou si le robot, hein, ChatGPT, vous pouvez l'insulter, il n'a pas d'affect. Alors du coup, est-ce qu'on peut comprendre si on n'a pas d'affect? Qui veut se prononcer là-dessus? Je vous laisse réfléchir. Je vois que Corinne, tu as déjà une idée, mais je laisse d'autres personnes peut-être réfléchir à ça.
Autrement dit, est-ce que l'affect est nécessaire à la compréhension? Ou est-ce qu'on pourrait s'en passer? Okay, Aline, ok. Je vois trois personnes qui ont levé la main, quatre personnes, cinq personnes, ok. Donc on va écouter, bah vas-y Corinne. Pour toi, est-ce que l'affect est une condition nécessaire à la compréhension ou pas? Alors, il me semble que oui. Oui, vas-y. Et l'exemple que j'ai pour l'illustrer, c'est certains cas d'autisme où les personnes, elles ont du mal à rentrer justement dans l'affect et du coup à ressentir des choses assez courantes, hein, comme l'empathie, la politesse ou des choses comme ça. Donc, elles n'ont pas d'affect, elles peuvent manquer d'empathie, les personnes autistes, mais est-ce qu'elles peuvent quand même comprendre les causes qui animent les autres ou pour elles c'est difficile? Je pense que c'est difficile souvent, hein, peut-être pas toujours quand même. Oui, ok, donc peut-être c'est un exemple. Hein. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais est-ce qu'une personne autiste, donc qui n'arrive pas, enfin je sais que les personnes autistes, on n'arrive pas à comprendre les émotions des autres, hein, c'est ça? Et du coup, ça va peut-être être compliqué pour elles de, effectivement, de comprendre pourquoi elles se mettent en colère, quelles sont les causes qui les animent. Ok, donc on aurait, à travers cet exemple de l'autisme, est-ce que les personnes qui levaient la main tout à l'heure, est-ce que c'était le même argument ou est-ce qu'il y a des personnes qui avaient un autre argument? Aline. C'est pas tout à fait le même argument, mais si ça rejoint quand même, il me semble que Balthazar Thomas, au début du livre, il en parle. Il parle des neurosciences et du fait qu'on sait aujourd'hui que chez les personnes dont les zones cérébrales liées aux émotions étaient affectées, et ben ces personnes-là, par exemple, elles sont incapables de prendre des décisions. Elles n'arrivent pas à se diriger dans la vie. Elles ont des aires cérébrales liées aux émotions qui ont été endommagées. Donc, en gros, elles ne ressentent plus rien. Et ben, il faudrait retrouver le passage, mais il me semble qu'il Oui, dit je me souviens de ces ça. personnes-là, elles n'arrivent pas à tout simplement pas à se diriger dans la vie. Elle n'arrive pas à prendre de décision, hein, puisque ce seraient nos affects qui décident avant notre raisonnement, en fait. Donc, mais là, on était, est-ce que l'affect est nécessaire à la compréhension des causes? Donc là, c'est plutôt l'affect nécessaire à l'action. Oui, plutôt à l'action. Ouais. Donc, dans l'idée de Corinne, c'est oui, c'est nécessaire à la compréhension à travers cet exemple, par exemple, de l'autiste qui n'arrive pas à saisir par ses affects ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un avait un autre argument, Sabine? Peut-être que si il n'y a pas d'affect, c'est comme s'il y avait un non-événement, c'est-à-dire quelque chose de neutre. Et donc, on ne va pas chercher à les causes d'un non-événement. Alors que si effectivement on ressent quelque chose de fort, ça va nous obliger à se poser des questions qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas ces affects. Enfin, Oui, ça va l'idée de Sabine qui ne la comprend pas. Non, c'est clair. Donc ça se fait autre argument. Je répète ce que tu dis, dis-moi, c'est ça. Si je ne ressens rien, c'est comme un non-événement, quoi. Je ne vais pas aller. Y a rien à aller rechercher, quoi. Oui, et oui. Hein, par contre, l'affect va être un moteur pour aller comprendre. Enfin, peut être un moteur. C'est peut-être pas nécessaire que je cherche à comprendre après, mais ça peut être un moteur. Ok, donc ça nous fait un autre argument, hein, de l'affect, ce serait moteur d'une compréhension. Hein. Alors, ouais, alors je prends mon exemple de l'intelligence artificielle qui n'a pas d'émotion. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'émotion, mais est-ce que l'intelligence artificielle co comprend? D'accord. En tout cas, si on reprend ce qu'a dit Sabine, l'intelligence artificielle ne va pas aller questionner quelque chose qui la choquerait ou qui l'atteint puisqu'elle n'a pas d'affect. Donc, ouais. Yannick?
D'accord. Non, elle ne comprend pas, elle décode et elle produit des réponses suite à ce décodage, mais elle ne comprend pas. Oui. Et elle Autrement. ne va pas comprendre elle ne va pas aller chercher les causes. Oui. Ou que celles qu'elle aurait apprises, mais sans réellement les comprendre. Oui, donc on est en train de définir qu'est-ce que ça veut dire comprendre en fait. Donc, il faut que je comprenne quelque chose, il faudrait que ça passe par des affects. Ça. Et sinon, bah, on a l'impression qu'elle comprend, hein, l'intelligence artificielle. Puisqu'elle peut répondre. Oui, vas-y, Jennifer. Je pense qu'il y a deux niveaux de compréhension, non? Il y a peut-être la compréhension dans le sens connaissance, discipline, je sais pas, sens scientifique, enfin, tout ce qui est dans le cadre d'une discipline, quoi, où on a des connaissances, on va comprendre comment ça fonctionne. Et il y aurait la compréhension de notre fonctionnement en société avec les autres, et de savoir comment comme une compréhension sociale, quoi, en fait. Oui. Mais alors ensuite, si tu demandes à l'intelligence artificielle, tu peux essayer, hein, tu lui demandes comment faire avec un tel qui est en colère. Elle va te répondre, hein. Comment répondre à quelqu'un qui est en colère? Elle va te dire, j'ai essayé, elle va te dire ne rentre pas toi-même dans la colère, essaye de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Elle va te dire tout ça, hein. Je vais pas essayer, je vais pas tester. Verras, tu vas voir. Intéressant, ou si tu veux dire Après, là où elle pas bloque, moi, je veux pas ça, et tu vas voir, elle va te consoler, c'est. J'essaye. elle Alors, est-ce que Mais c'est comme disait Yannick, c'est quand même elle fait ça, mais à partir de connaissances techniques, quoi, en fait. Donc elle va réussir à reproduire peut-être un semblant de compréhension sociale, enfin, j'appelle ça comme ça, mais en fait c'est juste avec des connaissances, oui, techniques, quoi. Enfin, je sais pas si je. Alors, sur cette intelligence artificielle, parce que là, on a un bon exemple d'un interlocuteur qui n'a pas d'affect. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il comprend, qu'il ne comprend pas? Et ça nous conduit à définir ce que ça veut dire comprendre, finalement. Alors, qui veut nous éclairer là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vas-y, Hélène. Peut-être qu'il comprendrait peut-être des affects simples, c'est-à-dire que la compréhension serait superficielle, en fait. Peut-être que dès que ça deviendrait un petit peu plus complexe, ou peut-être un sentiment un peu mélangé, ou un peu camouflé, ou ça serait, ou un peu pudique, par exemple, ça deviendrait trop compliqué. Donc, si tu lui dis là, j'ai un mélange d'amour et de colère, Voilà, là, il n'y arrive plus. vous pourrez essayer après, vous verrez. Je ressens un mélange d'amour et de colère. Que dois-je faire, intelligence artificielle? On verra si elle répond. OK. Qui voudrait encore se prononcer là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre, Yannick? Mais je me pose des questions sur ta question parce que, enfin, tu as dit au début, oui, là on a un exemple d'un interlocuteur qui n'a pas d'affect. Oui. Mais est-ce que l'intelligence artificielle est un interlocuteur? Oui. Alors, suite un acte. En tout cas, si vous essayez, vous allez voir, il répond, hein, Oui, mais c'est pas Oui, pour ça que c'est un interlocuteur voilà, qui c'est pas n'a parce c'est pas un que. vrai interlocuteur, c'est. Oui. Ah ben oui, c'est pas un vrai interlocuteur. Donc, ce n'est pas un interlocuteur qui n'a pas d'affect, c'est un robot, quoi. Donc, Oui, alors, on va dire bon. c'est une intelligence sans affect. Je trouve que l'exemple de l'autisme, enfin, même moi, je ne connais peu l'autisme, donc je prends ce qu'on a dit pour vrai. Je ne connais pas vraiment en détail. Mais donc, l'exemple de l'autisme me semble plus, comment dire, enfin, plus frappant, plus interpellant pour moi, parce que là, c'est vraiment une personne qui, sans doute, a aussi des affects, mais pas
pas tout le temps et dans certaines circonstances. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus difficile. Oui, donc une personne autiste, je pense, a quand même des affects, mais pas de la même manière qu'une personne qui ne l'est pas, mais elle a des affects, c'est pas un robot. Hein. Bon, alors, mais on en était, est-ce que pour comprendre, il faut nécessairement que ça passe par des affects? C'était un peu ça. Et qu'est-ce que ça veut dire comprendre, Sabine? Alors, excuse-moi, mais je voulais juste répondre, enfin, par rapport à l'intelligence artificielle, je pense qu'en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est la collecte d'énormément de données humaines qui existent. Donc, forcément, l'humain qui, enfin, les données humaines comportent des affects. Et donc, on peut avoir l'illusion que l'IA, enfin, a des affects parce que, par exemple, l'IA est capable de mentir. Donc, ça va, le mensonge est bien lié à un affect, c'est pas quelque chose de théorique. C'est donc, enfin, je pense que c'est dû au fait que ça part d'énormément de données récoltées. Donc, je suis pas tout à fait d'accord pour dire que l'IA n'a pas d'affect. Elle a des affects artificiels, en fait, qui ont été, qui sont la somme de données, quoi. Voilà. Donc, en cela, du coup, oui, elle peut peut-être comprendre, comme disait Hélène, au moins des affaires, enfin, des émotions assez simples. Après, je sais pas, faudrait faire des tests pour des choses plus compliquées. Comme elle ne fait que répéter des affects Oui. qui sont enregistrés dans ces données, mais c'est-à-dire elle ne les ressent pas vraiment, quoi. Non, elle ne ressent pas, mais elle est capable de les reproduire quand même. Par contre, elle est capable de les reproduire. Je crois même qu'il y a des intelligences artificielles qui arrivent maintenant à lire l'affect sur le visage d'une personne. Ouais. Donc, là, mais elle ne ressent pas le robot si on lui tape dessus, il ne ressent pas. Voilà, donc on est parti de, en tout cas chez l'humain, il y aurait ce ressenti pour ensuite comprendre, quoi. Et peut-être que chez l'humain, la compréhension passe par un affect, alors. On en serait là. Hein. OK. Et la compréhension, est-ce qu'elle produit elle-même des affects? Pour Spinoza, qui pense que oui, la compréhension produit des affects. Et dans ce cas-là, quel affect elle produit? Jennifer? Bah oui, elle produit de la joie. Elle est censée produire de la joie, justement. Ouais, j'aime bien Ouais. le LSS. Ouais, théoriquement, c'est génial, hein, tout ça. Ok, bah ça rejoint peut-être un peu la question d'Aline d'ailleurs. C'est bien joli tout ça, mais comment on l'intègre, hein? Ok, alors on peut peut-être aller voir de ce côté-là justement, puisque c'est censé nous procurer de la joie. Alors, donc on sent que Jennifer est un peu dubitative par rapport à cette compréhension. Hein. Alors, vous allez essayer de vous faire exister Spinoza en vous, hein, puisqu'il n'est pas là en chair et en os pour nous répondre, mais qu'est-ce qu'il pourrait dire en quoi la compréhension procure de la joie? Je pense, un des détenus avec lequel je travaille, j'ai appris, il passe aux assises, là, il a assassiné sa voisine d'une façon vraiment atroce. Donc, je ne vois pas en quoi comprendre ça, comment ça pourrait procurer de la joie. C'est très bizarre quand même. Alors, qui veut se faire le défenseur de Spinoza? Guy, tu levais la main, ouais, vas-y. Non, mais je ne vais pas être le défenseur de. Je ne connais pas les circonstances. Mais ce que je veux dire, c'est que la compréhension produit par le fait qu'on est dans les idées adéquates à ce moment-là, et ça produit une augmentation de la puissance et donc de la joie. C'est ce que Spinoza appelle la joie. Ouais. Donc, mais c'est pas pour ça que c'est toujours simple. Et que c'est, il y a des choses qui sont faciles à donner comme exemple,
Mais il y a des choses évidemment très très compliquées et souvent, enfin voilà, on n'y arrive pas parfois. D'accord. Hein, okay. On ne peut C'est pas tout comprendre. On ne peut peut-être pas comprendre pourquoi non. quelqu'un commet un crime, une guerre, etc. Non, exactement, parce qu'on a, nous sommes juste des modes, selon Spinoza, donc des petits points, et de notre point de vue, c'est impossible de comprendre les choses, et je reviens là-dessus, c'est-à-dire que les meurtriers ou les... voilà, il faut les enfermer. Effectivement, l'homme a trouvé un moyen de... Il faut les juger, il faut les enfermer, c'est quand ils sont dangereux. Et c'est une chose différente que d'expliquer la nature humaine. D'accord. Hein, donc, alors moi j'entends un argument dans ce que tu dis. En quoi la compréhension peut nous rendre joyeux? Donc, qui pourrait juste répéter ce qu'a dit Guy? Aline? Guy a dit que la compréhension augmente notre puissance d'agir. Et c'est précisément ça la joie pour Spinoza, c'est la puissance d'agir. Donc c'est le contraire de... Enfin là, du coup, c'est moi qui... Ouais, bah vas-y, poursuis. C'est le contraire de... le contraire de rester coincé dans quelque chose, dans du ressentiment, par exemple, dans un sentiment de jalousie, de vengeance. C'est tout le contraire de ça, quoi. C'est quand justement on a compris et qu'on est capable d'agir pour dépasser nos affects. Ok. Sinon, on reste coincé dans des affects tristes. Oui. Donc la compréhension va nous redonner une puissance. Et Guy a ajouté qu'on ne peut pas tout comprendre. Donc on ne va pas dire que comprendre la Shoah va nous rendre joyeux, hein, c'est ça? Parce qu'on peut peut-être, on ne peut pas comprendre, quoi. Il y a des limites à la compréhension humaine. Et de ce fait, ce serait ça, Guy. La tristesse, voilà, est indépassable, ou le chagrin, ou dans ce cas-là. Donc, si on Oui. prend des cas tragiques comme ça, c'est ça Oui. ce que tu dis, qu'il y aurait des limites à notre compréhension, là, on ne peut pas comprendre. Ou bien, est-ce qu'il y a des personnes qui verraient les choses autrement? Là, on essaye de faire parler Spinoza comme on peut. Oui, Corinne? Alors, je sais plus, j'ai oublié un peu mes sources, mais en fait, j'ai lu quelque chose d'assez intéressant sur... Justement, la compréhension de la guerre de 40 et surtout de ce qui s'est passé en Allemagne. Et c'était un essai intéressant parce que justement, on prenait en cause tout ce qui s'était passé avant pour l'Allemagne et la frustration dans laquelle elle était, la misère, hein, les contraintes qui avaient été... donné après la guerre de 14 et tout ça, la fierté blessée et tout ça. Et du coup, l'explication de la montée en puissance d'Hitler et de comment ça s'est, comment tout ça a pu survenir. Et la conclusion, c'était que dans un autre pays, avec un autre contexte, ce n'aurait pas été possible. D'accord, donc Donc les en fait, ce n'est pas forcément qu'on va être joyeux, mais une fois qu'on comprend quelque chose, bien, effectivement, ce sentiment d'injustice ou de... Eh bien, il disparaît un peu. Donc, D'accord. on ne va Hein. pas être joyeux, hein, mais on se Oui. dit que est-ce que c'était possible que ça soit autrement, en fait? Ok. Ça va ce que dit Cory? Hein? Donc, je repense ce que tu dis, c'est-à-dire, alors, ça ne va pas nous rendre joyeux, mais ça va peut-être diminuer Ça le. va tempérer. Ça va tempérer à nouveau. Hein? Voilà. C'était le mot de Yannick. Hein? Ça va tempérer. Hein? Ok. Parce que sinon, effectivement, on peut repartir dans une haine et ça ne s'arrête plus, quoi. Hein. Donc, ça peut tempérer, la compréhension peut tempérer. OK. D'accord. Donc, bon, la compréhension est censée nous rendre heureux. Hein, c'était ce que tu, nous rendre joyeux, c'est ce que tu disais, Jennifer. Alors, ça ne va pas être la joie permanente, idéale, hein, mais... Hein. Est-ce que ça te va, les arguments qui ont été proposés? Oui, ouais.
Non, mais après, moi, j'entends ce qu'il dit Spinoza et je trouve ça, enfin, et je trouve ça aidant, ouais, c'est sûr. Ouais. Après, c'est vrai que des fois, bah, mettre en pratique, c'est pas évident, quoi. Oui, c'est Mais, sûr. mais je suis, enfin, oui, je suis assez d'accord avec tout ce qu'il dit et je trouve que c'est. Bah ça, il est un peu idéaliste quand même, quoi, mais après, c'est peut-être quelque chose vers quoi on peut essayer de tendre. Ouais. Alors, bon, est-ce qu'il étudie qu'il est idéaliste? Bon, c'est un chemin, hein, ce que disait Guy. Hein, c'est pas comme ça qu'on arrive peut-être à la joie dont il parle. Alors, Sabine, tu veux répondre à Jennifer? Tu veux faire quoi? En fait, depuis tout à l'heure, et enfin, c'est normal, on parle beaucoup des affects négatifs Oui. que la compréhension permettrait de combattre. Mais ce qui me semble avoir lu aussi, c'est qu'il parle également pour les affects positifs, comme Oui. s'il fallait les tempérer aussi. Mmh. Et là, je me pose un petit peu une question sur. Voilà, voilà, est-ce que ça veut dire qu'il y a des enthousiasmes qui sont mauvais? Okay. Est-ce que toute joie est à tempérer également, en Ok, bah comprenant d'où ça vient? on va prendre Voilà. la question. Hein. Donc, on a vu que ça tempère les affects négatifs, et là, tout le monde voit bien l'intérêt qu'il peut y avoir à les tempérer, puisqu'ils diminuent notre puissance d'agir. Mais si on prend la question de Sabine, alors est-ce que pour Spinoza, ça a du sens de tempérer des affects positifs? Je ne sais pas, quelqu'un me fait un cadeau, me dit qu'il m'aime, c'est quelqu'un que j'aime. Est-ce que je vais tempérer? Est-ce qu'il faut que je tempère? Ou mon enfant, je ne sais pas quoi, arrive en me disant voilà, des tas de choses gentilles. Bon, bah, ça me rend joyeux, quoi. Alors, est-ce qu'il faut que je tempère la joie pour Spinoza? Est-ce qu'il faut la tempérer aussi ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse réfléchir. Alors, okay. Qui a besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir encore? C'est peut-être pas évident la question, hein? Non? Non, personne. Tout le monde a son idée dans sa tête alors. Qui pense que Spinoza dirait que là aussi il faut tempérer? D'accord. Et qui pense que non, il dirait non, non, là on peut y aller. Et qui ne sait pas? Bon, alors, et Sabine, toi, t'as pas d'idée a priori ce que pourrait dire Spinoza. Non, enfin moi je crois avoir lu qui trouve qu'il faut tempérer aussi. C'est Ok. pour ça que ça me pose question. Ça pose question, ouais. Alors, on va écouter les... Pourquoi est-ce qu'il dirait que là aussi, il faut tempérer notre joie? Tempère ta joie. C'est pas très agréable quand on nous dit ça. C'est pour Sabine, hein, t'aimes pas qu'on te dise ça, non, et tempère ta joie. Hein. C'est un peu Bah. rabat-joie. Disons qu'il y a tellement de malheur partout que quand on a un peu de joie, bon, c'est quand même bien C'est aussi. quand même pas mal. Alors, Ouais. pourquoi? Alors, vas-y, j'ai plus qu'à lever la main. Jennifer, ouais. Bah, en fait, il fait une différence entre les joies passives et les joies actives, entre les passions et les joies. Et donc lui, là où il met en garde un petit peu, oui, c'est dans le côté passionnel de la joie, en fait, quoi, qui peut, où du coup, on en devient passif, en fait, quoi, on n'est pas acteur de cette joie, et je pense que c'est là qu'il dit qu'il faut tempérer un petit peu, quoi, et qu'il faut ramener justement de la compréhension, quoi, de pas être juste dans la passivité, d'être dans cette joie, parce que ça peut du coup basculer aussi assez vite dans l'extrême inverse, quoi, dans la haine ou dans la tristesse ou... Ouais. Donc, ce mécanisme des passions, hein, on peut passer de la joie ou de l'amour à la haine, de la joie au désespoir, c'est ça, hein? Ouais. Et donc, Si on n'est pas acteur de ça, si on se laisse complètement submerger et
Oui, cette histoire de passif et actif, quoi, que c'est Oui. vraiment. Peut-être si vous êtes d'accord avec ce que dit Jennifer, est-ce que quelqu'un pourrait illustrer ça par un exemple? Aline? Ben, quand notre joie dépend uniquement de circonstances particulières, par exemple une joie passive qui serait d'être en vacances, et dans ce cas, ben, je serais heureux que quand je suis en vacances. Je serais bien que quand je suis en vacances, donc là, on peut considérer que c'est une joie passive dans laquelle on n'est pas acteur, quoi. Qui dépend juste des circonstances, quoi. OK. Et alors, si je peux plus être en vacances, c'est le drame. Si la retraite est bah, jusqu'à 70 ans, non, ça va plus. Donc, ça va. Donc, on deviendrait dépendant de causes extérieures. OK. Et qu'est-ce qui fait que la joie peut basculer dans le désespoir, alors? Oui, ça serait que... C'est ce que tu dis, oui, la cause extérieure disparaît. OK. Oui, Aline? Oui, quand la cause disparaît, il me semble qu'il dit aussi que c'est dans notre rapport à l'objet de la joie. En gros, si on mise tout là-dessus et qu'on en devient dépendant, ben on augmente nos chances de malheur, en fait. Si c'est obsessionnel et qu'on ne vit que pour ça, alors ça nous procure de la joie, ok, mais à tout moment, on risque de le perdre et du coup de basculer dans l'inverse. En inverse, hein. Ouais, c'est la dépendance qui pose problème en fait. Qu'on peut voir dans le phénomène amoureux, par exemple, le chagrin d'amour, quoi. Personne qu'on aime nous apporte toute la joie, elle nous largue, alors c'est le désespoir. Parce qu'on a tout mis sur, tout misé sur une relation extérieure. Ouais, ok. Donc là, il vaut mieux tempérer, alors à ce moment-là. Hein. C'est difficile, hein, un amoureux, voilà, tempère ta joie. Ok, mais en tout cas, comprendre les causes, alors. Là aussi. Comment je vais faire pour la tempérer là, si on reprend l'exemple des vacances ou l'exemple de l'amour, de l'amour dans le sens de la relation amoureuse, comment je peux tempérer ça pour ne pas ensuite risquer de tomber dans le désespoir? Corinne? C'est en essayant de trouver des joies extérieures différentes ou intérieures, hein, c'est-à-dire des activités qui nous plaisent, des intérêts divers. Voilà, c'est en diversifiant nos centres d'intérêt et nos centres d'amour ou d'affect, quoi. D'accord, pas mettre tous ses œufs dans le même panier alors. Ok. Est-ce que vous voyez autre chose pour tempérer une autre idée Damien qui parle peu. Faire preuve de psychologie, peut-être. Ouais, alors qu'est-ce que tu entends par faire preuve de psychologie, donc mettons dans le cadre de la relation amoureuse. Essayer de comprendre les sentiments de l'autre et de mesurer ses actes, ses pensées. Et oui, parce que peut-être que la joie peut nous empêcher de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et donc là, au contraire, je vais essayer de le comprendre. Ce qui va peut-être tempérer ma joie, mais permettre de ne pas basculer dans l'inverse. Ok. Autre chose sur tempérer la joie? D'accord, donc ça serait aussi un affect qu'il s'agit de tempérer, tout comme la tristesse, la colère, etc. Alors, parce que un affect, quand il est extérieur, quand il est de l'ordre de, quand il est passif, hein, c'était la distinction que faisait Jennifer. Mais maintenant, alors, si c'est une joie active,
La joie, hein, puisque Spinoza distingue joie passive et joie active. Joie passive, c'est ce qu'on a dit à l'instant, c'est quand la joie dépend de causes extérieures, ce à quoi il ne s'oppose pas du tout d'ailleurs. Spinoza, il dit s'il y a du plaisir qui arrive, ben c'est super, profitons-en, hein, mais à condition de ne pas devenir complètement dépendant des causes extérieures. Hein. Donc dans ce cas-là, mieux vaut tempérer. Et c'est quoi les joies actives pour Spinoza? Qu'est-ce qui pourrait préciser ça? Sabine? C'est des joies qui dépendent justement de notre action, bah, par exemple celle de comprendre quelque chose. Là, ça ne dépend pas de circonstances extérieures. C'est nous qui produisons nous-mêmes notre joie. Ou, je ne sais pas, on crée une œuvre artistique et voilà, on est satisfait de ce qu'on a fait. Bon, c'est un affect positif qui dépend que de nous puisque c'est l'œuvre qu'on a créée. Okay. Donc les joies actives viendraient de à la fois ce que tu dis, je reprends ce que tu dis, hein, dis-moi, c'est ça la compréhension, je comprends, ça procure une joie, mais aussi la création. Oui, peut-être. Le musicien, le peintre, enfin bon, Voilà. on peut créer évidemment toutes sortes de choses, le photographe, etc., qui a une joie active, ça dépend de lui. Ouais. Ok. On est bon sur les joies actives? Oui, Guy. Oui, excuse-moi, juste un autre exemple qui est assez, qui fait partie, je trouve, des réflexions sur la société, que la société doit faire, c'est le métier. Donc les gens, il y a des gens qui ont leur métier, qui ont vraiment, ils sont actifs dans le choix de ce métier, où ils ont été actifs, ils ont construit par rapport à ceux qui sont. Et il y a quand même un certain nombre de personnes qui, entre guillemets, subissent leur métier. Et donc, voilà, avec des moments de joie, mais aussi des moments de tristesse. Et donc, voilà. Donc là, tu apportes une nouvelle idée. L'existence dans nos sociétés, l'existence humaine, fait que on subit un certain nombre de situations. On n'a pas trop le choix parfois, hein. Donc dans le travail, dans toutes sortes d'endroits où on peut subir des situations. Ouais, ça, tu soulignes ça. Ok, alors. Mais comment ne pas en pâtir? Est-ce qu'on peut ne pas en pâtir? Bah, ça revient peut-être au début de la discussion. Ouais. Corinne, hein, je peux amoindrir les affects douloureux, justement, en comprenant, ça revient à ce qu'on disait au début. Tout à fait. OK. En comprenant et en étant actif. Oui, en ayant Hein? d'autres centres d'intérêt. Voilà, c'est les choix, ce qu'on appelle parfois des choix de vie. Oui. C'est-à-dire que voilà, il faut parfois du courage, mais voilà, c'est possible. Oui. Hein, et donc, tout en sachant ce que tu disais peut-être tout à l'heure, Guy, c'est que on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas. C'est un idéal, quoi. Hein. On ne peut pas être dans la joie de la compréhension active en permanence. Non. C'est un idéal. Hein. OK. Donc là, on a examiné. Voilà, on a répondu à la question de Sabine, s'il fallait aussi tempérer sa joie. La réponse étant oui. Alors bah, maintenant, bah, est-ce que vous avez d'autres questions là? Parce que Sabine a posé une question qui était importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, soit dans les questions que vous avez notées, soit voulez questionner la réponse de quelqu'un. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je vois que Corinne. Ouais. Vas-y, Corinne. Alors, moi, je voulais interroger la question, enfin, interroger ou parler de cette question de Yannick aussi, puisqu'on a parlé de sa manière de voir. Et j'avais envie de dire que comprendre, c'est pas ne pas protéger les individus ou ne rien faire. Voilà.
dans sa question, Oui. voilà, voilà, comprendre c'est une action en fait, et après, c'est pas pour ça qu'on va pas protéger les individus, la société, et qu'on va rien faire en fait. Voilà. Il faut Comment pas le envisager? mélanger. Oui, parce que je rappelle la question d'Yannick, y a-t-il des limites à cette tempérance, voire à cette tolérance? Exemple, comment envisager les actes criminels dans ce cadre? Donc, réponse, comment on envisage, si on voit les choses comme Spinoza, on envisage un acte criminel? Oui, mais Oui, c'est bah, pour ça que oui. qu'on va protéger les Voilà, oui, individus. ok. Hein, on va protéger les Les personnes autres. Oui. qui seraient potentiellement atteintes par ces actes criminels. Oui. Mais on ne va pas juger finalement le criminel responsable. Alors ensuite, est-ce que ça a du sens ou pas? C'est tout un problème. Généralement, on ne pense pas comme ça. On ne va pas dire que le criminel n'est pas responsable. Alors, soi-même, si on renverse la question, mais mettons soi-même, on a fait quelque chose de mal. On renverse la situation. Mettons, alors peut-être pas un crime, mais vraiment quelque chose de pas génial. Est-ce qu'on va se sentir responsable et coupable dans la philosophie de Spinoza? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Un truc dont on n'est pas trop content. Ouais, Jennifer? Bah, si, je pense qu'on peut se sentir responsable et coupable, ouais, peut-être, ouais, mais après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette compréhension-là, quoi, en fait, hein. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas le. Que la compréhension, elle n'est pas au niveau de l'acte, forcément, mais de ce qui va être fait après, quoi, en fait. Après l'acte répréhensible, on va dire. Donc je pense pas que ça empêche de se sentir responsable, même si voilà, on sait que la responsabilité, elle est diluée dans plein de causes qui nous ont amené à ça, mais on a quand même une part de responsabilité, je pense. Est-ce que ce que dit Jennifer, c'est en accord avec ce que dit Spinoza? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui pense que oui, qui pense que non, qui pense que ce que dit Jennifer, ce ne serait pas en accord? Ouais, alors plusieurs personnes qui pensent que ça ne serait pas en accord. Yannick, pourquoi tu penses que ça ne serait pas en accord? Non, parce que je pense que lui, il dirait qu'on n'est effectivement pas responsable et qu'il y a des raisons pour lesquelles on agit comme ça. Ok, mais alors voilà, je sais pas, moi j'étais méchant avec quelqu'un, j'ai mes raisons. Qu'est-ce que je fais de ça alors? Alors, Jennifer? J'ai mes raisons, oui, d'accord, j'ai été déterminée à ça, mais je peux comprendre que ce que j'ai fait, ça a blessé l'autre, en fait. Je trouve que la compréhension, elle est là. Oui. J'en suis pas responsable, oui, selon Spinoza, j'en suis pas responsable parce que c'est plein de choses qui m'ont amené à ça, mais je peux quand même comprendre que ce que j'ai fait, ça a Oui. blessé l'autre et après agir en fonction de ça, en fait. Qu'est-ce que ça marche, on dit comme ça? Il faut que je peux comprendre ces causes-là, je peux les comprendre. Alors, Corinne, je vois, tu étais d'accord ou pas d'accord avec Jennifer? Non, pas d'accord. Vas-y. Je suis pas d'accord parce que quelqu'un qui est moralement considéré comme irresponsable, il n'est pas non plus, je sais pas, malade mental ou quoi, il n'est pas considéré comme coupable ni responsable. Donc ça marche pas à tous les coups. Alors, dans le cas d'une pathologie, la personne, elle est peut-être pas en mesure de comprendre, justement. Oui. Oui, dans le cas d'une pathologie, mais là, on va prendre dans le cas où on n'a pas de pathologie particulière, mais on a fait un acte répréhensible, quoi. Donc, dans ce cas-là, je peux comprendre les causes qui m'ont poussé à ça, et toutes sortes de causes.
Ça m'a rappelé une situation que j'ai vécue et j'ai pas réfléchi, j'ai refait la même chose. Enfin, plein de causes où j'avais envie de me venger parce que j'ai l'illusion du libre arbitre, etc., etc. Donc, je peux comprendre les causes qui m'ont amené à faire ça. C'est ça, hein? Bon, mais alors, pour les comprendre, justement, si on reprend ce que disait tout à l'heure Sabine. Qu'est-ce qui va me pousser à les comprendre? C'est mon libre arbitre ou là ça marche pas, on peut pas dire que c'est mon libre arbitre. Qu'est-ce qui va me pousser à comprendre que là c'est pas génial ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, etc. Aline. Bah, c'est mon affect, Oui. c'est l'état dans lequel je me sens, si je me sens diminuée par exemple, si je me sens Oui. voilà, affaiblie, bah, je vais chercher à comprendre pourquoi j'ai agi comme ça. Oui. Donc la cause serait mon affect. On revient à ce que disait tout à l'heure Sabine, c'est mon affect qui va me pousser à comprendre. Oui. Si j'ai pas d'affect, autre cas pathologique parfois, hein, il y a des psychopathes, ils font du mal, ils n'ont pas d'affect. Hein, donc ceux-là, ils vont pas réfléchir à ce qu'ils ont fait, ils peuvent pas y réfléchir. En revanche, quelqu'un qui n'est pas psychopathe, si il a fait du mal, il va aller examiner parce qu'il a un affect triste. Ok. Donc, on a répondu à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions maintenant? On a répondu à la question de Yannick, du coup. C'était ça ta question, Yannick, hein? Oui. Donc, c'est assez cohérent, hein, le système de Spinoza. Et on voit que ça répond. Est-ce que quelqu'un aurait une question là, pour laquelle on mettrait en difficulté le système spinoziste? Ce que je propose, c'est des critiques. On essaie de critiquer maintenant qu'on a bien compris. On essaie de critiquer, on va voir si on arrive à critiquer la pensée de Spinoza. Sabine? Moi, de façon générale, j'ai l'impression quand même que la place au développement personnel et au perfectionnement humain est pas très importante, hormis le fait de comprendre, comprendre, comprendre. Mais comprendre, c'est pas agir. Ça reste de l'ordre de l'intellect quand même. Donc, en termes d'action, de développement humain pour l'action, je suis un peu déroutée en fait par cette pensée. J'ai l'impression que bon, voilà, on a compris pourquoi. Bon, du coup, peut-être qu'on refera pas. Et encore que, si vraiment on est déterminé, peut-être qu'on refera. On comprendra à nouveau, on refera. Qu'est-ce qui va à un moment. Enfin, c'est comme si j'ai l'impression que Spinoza ne croyait pas que l'humain pouvait s'améliorer sur son chemin de vie. Alors, qui pourrait reformuler le problème que voit Sabine chez Spinoza? Je vais essayer de faire court. Aline. Alors, Sabine dit que chez Spinoza, dans le système de Spinoza, il y a peu de place pour le développement personnel, le développement de l'humain ou l'accomplissement de l'humain. C'est ça, Sabine? Oui, oui. Bon, alors, est-ce que... Au niveau action, je dirais. Oui. Au niveau pensée, oui, je pense. Enfin, mais après, l'humain n'est pas qu'un être désincarné qui pense, il agit aussi. Donc, ça va la question de Sabine. Qui pourrait essayer de la reformuler en faisant très court? Enfin, Sabine aussi, si tu veux, enfin, ou quelqu'un d'autre, pour essayer de réduire la question. Corinne? On t'entend pas. Elle pourrait dire penser, c'est bien, agir, c'est mieux. Donc ça serait plutôt c'est une remarque, c'est pas une question, mais Non, tu as dit de résumer la pensée en je très court. proposais d'essayer de formuler une question. Question, oui. Ah, Ouais. pardon. Guy, tu avais une question? Non, j'avais compris la même chose que Corinne.
pensais qu'il fallait reformuler. Alors, comment on pourrait questionner ça? Ben... Est-ce que Spinoza croit en la possibilité pour l'humain de perfectionner son action au cours de la vie, quoi, sur son Oui. voilà. Quelque chose comme ça. Ouais, si on prend comme ça va. Ou quelle est la place de l'action dans le spinozisme? Oui, mais de l'action qui s'améliore, enfin, de l'homme qui s'améliore. Donc c'est pas juste la compréhension, c'est l'action. C'est sur l'action. Et peut-être, ouais, ok. Parce que toi, ta question, Aline, c'était. Tu avais une question, non, c'était plutôt comment on l'intègre. Hein. Oui, si, ça ressemble un peu. Comment passer de la compréhension intellectuelle à l'intégration concrète de ce processus? Ça rejoint un peu. Hein. Oui, ça rejoint l'idée de l'action, ouais, effectivement. Le concret, on est dans l'action. Hein. Donc, eh ben, alors, allons-y. Alors, est-ce que chez Spinoza, on peut s'améliorer dans l'action ou bien. Comment est-ce qu'on passe à l'action? C'est bien joli de comprendre, mais comment on passe à l'action? Alors, je vois que Guy a une idée. On va essayer d'avoir plusieurs idées, essayer de trouver une hypothèse. Hein. Qu'est-ce qui répondrait à ça, Spinoza ou... Ou est-ce que c'est un philosophe pour lequel l'action n'a pas tellement d'importance? Donc, je vois qu'il y a Guy, il y a Hélène, il y a Jennifer, c'est ça qui a levé la main. Hélène, tu as levé la main aussi? Non, j'ai rêvé. Ok. Yannick? On a trois. Jennifer, Guy, Yannick. Quelqu'un d'autre, non? Laisse un petit temps, rapport entre la compréhension et l'action. Aline aussi qui a une hypothèse. Ok, vas-y Yannick, ce serait quoi ton hypothèse? Que sans compréhension, il n'y a pas moyen d'avoir une action juste, et donc et que c'est justement la compréhension et la connaissance de cause. Il faut agir en connaissance de cause, c'est le fait de connaître les causes qui va faire qu'on va pouvoir poser une action qui mènera à la joie. Donc la compréhension, c'est la condition de l'action. Oui. Ça? Ok. Si je ne comprends pas, je vais agir de travers. Hein. Donc compréhension comme condition de l'action. Est-ce qu'il y a d'autres des personnes qui avaient d'autres hypothèses que celle de Yannick? Corinne? Il me semble aussi qu'il y a le désir, justement, il en parle beaucoup. Donc, en fait, le désir, c'est ce qui va peut-être provoquer toutes les séries d'affects qu'on cite, quoi. Ça part de là, en fait, ça part du désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de possibilité de compréhension, de changement. Oui, donc là, on a trois termes en fait. On a compréhension, action et désir. Alors, comment ça marche? Comment ils marchent ensemble, ces trois termes? Jennifer? Bah c'est dans la compréhension de nos désirs, de notre désir, qu'on va pouvoir avoir une action adéquate, quoi, une action qui va faire qu'on va s'améliorer. Si on ne comprend pas réellement, si on ne fait pas l'effort de réellement comprendre ce qui nous anime, en fait, quoi, de manière active, on va agir, mais sans, comment dire, manière erronée, hein, en fait. Oui, hein, parce que je peux, comme on l'avait déjà évoqué à un autre atelier, je peux me tromper sur ce qui m'anime vraiment.
Hein, par exemple, je sais pas, moi, je deviens ingénieur parce que c'est pour faire plaisir à papa et maman. Mais c'était pas ça qui m'animait, en fait. Donc je fais ça, j'agis, mais j'agis de travers, quoi. J'agis pas en accord avec mon désir. Donc il faudrait que je comprenne mon désir pour pouvoir agir en conformité avec ce désir. Ça, compréhension, désir et action. Comme ça que ça marcherait chez Spinoza. Donc ça pousserait à l'action. La compréhension va conduire à l'action. Ça marche? Parce que parfois on se dit, tiens, ben, je comprends que c'est ça que je dois faire. Est-ce que ça marche? Je comprends qu'il faut que je travaille. Je comprends que... Est-ce que ce serait spinoziste de raisonner comme ça? Et qui pense que ce ne serait pas spinoziste? Ouais, donc Corinne. Mais ça suffit pas, parce que effectivement comprendre, on est tous capables de le faire si on a un cerveau. Mais le désir et le désir juste, justement, avec pour pratiquer une action juste, c'est ce qu'il dit aussi. Ça demande de plus d'entraînement, quoi. Alors, je vois, Hélène, tu lèves la main. Oui, vas-y. Oui, parce que en fait, ce qui nous mène à l'action, c'est toujours le désir quand même. Donc, Oui. le désir, lui, nous pousse à l'action, et par contre, la compréhension nous pousse à une action juste. Mais Oui. de toute façon, on est toujours dans l'action puisqu'il y a désir. Oui, parce Et qu'on est toujours... simplement, voilà, il est plus ou moins exact, quoi. On est toujours animé par des désirs. Oui, Hein, c'est voilà, ce qui rapporte, ce qui fait l'action, en fait. Je pense que, enfin, je dirais que c'est le désir qui fait l'action, Hein, donc, je... pas la compréhension. Oui. Et ton idée, ce que tu dis, Hélène, c'est que comme on désire tout le temps, on agit. On ne peut pas ne pas agir. Voilà, c'est ça. C'est Juste. ça qui, c'est vraiment le moteur de l'action. Oui. Et la compréhension, ça permet de bien agir, mais. Ah, ensuite, évidemment, je sais pas, j'agis, je vais aller m'acheter des vêtements pleins de fringues parce que je suis angoissée. J'agis. Hein. Ensuite, on peut dire, c'est peut-être un problème d'agir comme ça. Je n'ai pas réfléchi vraiment à mon désir. Donc, on agit tout le temps. Hein. Tu es d'accord avec ça, Sabine? Alors, je suis d'accord avec ça, mais ça n'empêche que pour moi, l'idée de vraiment qui était au départ pour moi, c'est le fait d'agir de mieux en mieux. Or, parfois, on a des désirs. Je ne sais pas si on prend un des détenus avec qui tu fais tes ateliers, peut-être il y en a un qui va avoir compris que ce qui l'a mené à assassiner je ne sais pas combien de personnes, c'est parce que, je ne sais pas moi, ses grands-parents ont été eux-mêmes assassinés en camp de concentration. Et ce n'est pas pour autant que la compréhension de la cause. Va l'amener à vouloir avoir un autre désir. Il a peut-être envie de continuer à se venger, de sortir et de continuer à se venger. Donc là, voilà, je me dis, dans un cas comme ça, Est-ce que la compréhension, attention hein, suffit, quoi. c'est ce À, que je comprends que je fais quelque chose de pas bien. Il y a une phrase comme ça. Je comprends, je vois le bien, je l'approuve, mais je fais le mal. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça serait. Qu'est-ce qu'il dirait hein, parce qu'on l'a tous constaté. Hein, des fois, je vois le bien, je l'approuve, mais je fais le mal. C'est arrivé des degrés plus ou moins embêtants pour chacun de nous. Je vois bien que là, je ne devrais pas me mettre en colère, je le sais très bien, mais pof, ça y est, je pars en colère. On a tous fait cette expérience. Alors, qu'est-ce qu'il dirait Spinoza? Aline? Ben, peut-être qu'il y a des causes encore plus profondes Oui. que notre compréhension. C'est tellement profond que bon, on les regarde et on est un peu impuissant. Je sais pas si c'est ce que dirait Spinoza, mais en tout cas,
si tout est déterminé, on peut quand même supposer qu'il y a des déterminismes qui sont très très forts. Hein, par exemple, Sabine, je sais pas, tu parles d'une génération sur une autre, des choses comme ça qui se... Enfin, voilà, on observe ça souvent, des choses qui se transmettent de génération en génération. Ça dépasse le cadre de la personne, en fait. Tu dirais, il y a des causes qui peuvent être extrêmement fortes, ouais. Ouais. Y compris des formes de maladies. Il y a des gens qui sont bipolaires ou qui, il y a un moment, quel contrôle on peut avoir sur des maladies qu'on a tous peut-être plus ou moins aussi parfois, quel contrôle on peut avoir là-dessus? Est-ce que là, il y a des déterminismes qui sont très forts? Alors, est-ce qu'on est impuissant face à ça? Guy? C'est ce que Spinoza appelle les causes adéquates ou inadéquates. Et effectivement, on est dans l'action quand on est poussé par des causes adéquates, ce qu'il appelle adéquates, Oui. c'est-à-dire qui représentent notre nature. Évidemment, ce n'est pas évident. Et effectivement, les déterminismes sociaux, notamment, Oui. la sociologie explique très bien ça depuis Bourdieu. Et donc, effectivement, être dans les causes adéquates, Oui. c'est pas évident, puisqu'on est, on est déterminé par plein de choses. Oui, parce qu'il y a des déterministes très puissants, sociaux et physiques aussi. Voilà, il y a un moment, c'est notre corps qui parle à notre place aussi. Donc là encore, on reviendrait à l'idée que bah, c'est un travail très difficile et on essaie d'en prendre conscience du mieux qu'on peut, quoi. Ça serait ça, on serait là, tout en sachant que bon, ça va être réduit. C'est vrai que les détenus de prison, il y en a, je me dis, waouh, le monsieur là qui passe aux assises. Pourtant, je vois que dans les ateliers, il arrive à se calmer, mais que je ne savais pas encore ce qu'il avait fait. Hein. Je l'ai appris. Ça fait 3 mois que je travaille avec lui. Quand j'ai lu ce qu'il avait fait, waouh. C'est quelqu'un qui s'emporte très facilement et dans les ateliers, moi. Et il essaye de travailler là-dessus. Il dit, ouais, je sais, je m'emporte encore. Bon, il s'est jamais emporté de façon violente, mais je le vois qu'il se met à. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, quoi? Ouais. Sabine? Et justement, pour reprendre ton exemple, face voilà, à un mal qui a été fait, il y a des détenus qui vont jamais vraiment se sortir de ça, de ce déterminisme. Et puis, il y a aussi, on voit parfois des exemples de cas un peu de rédemption, entre guillemets, enfin de gens qui, voilà, qui ont un déclic, qui vont... Donc, est-ce que c'est juste un déclic de compréhension qui va les pousser à changer? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas ce que Spinoza dirait là-dessus, en fait. Qu'est-ce qui fait que certains vont quand même... Parce qu'on a beau dire, il n'y a pas objectivement de bien et de mal. Bon, celui qui ressort et qui retrucit de 5 personnes, c'est quand même un peu moins bien que celui qui sort et puis qui essaye de se refaire une nouvelle vie en sortant de ses démons passés. Enfin, voilà, je pense Ça. pas que Spinoza dirait quand même que les deux comportements se valent, quoi. Ouais, je sais pas ça, oui. Est-ce qu'il pourrait dire que les deux comportements se valent? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai que nous, on a du mal à dire ça, hein. Moi aussi, j'aurais du mal à dire que les deux comportements se valent, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il dirait que ça se vaut? Ou... Il dirait non, mais Aline? Ben dans le document, il dit quand même que tous les hommes se valent, hein, le sage comme le fou, l'homme, comment il dit, enfin, l'homme doué de raison, et il dit qu'il n'y a pas de différence. Alors, il parle pas des actes, mais il parle plus de l'être. Au niveau de l'être, pour lui, il n'y a pas de différence.
Oui, donc il n'y a pas de différence entre le sage et le fou, hein, c'est dans le passage du. Oui. Oui, donc ce qu'on a du mal à penser, est-ce que c'est soutenable une chose pareille? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tiens, on va conclure là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord que tous les hommes se valent? Ou bien est-ce que vous pensez non, 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 il y a des humains qui seraient qui sont au-dessus d'autres et d'autres qui sont en dessous. Il y en a qui valent plus que d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Jennifer? Ben, je pense que j'aimerais bien nuancer. Je pense qu'ils disent que tous les hommes se valent, mais dans le sens où ils peuvent tous accéder à cette compréhension, que ce soit un sage, un criminel, ils peuvent tous y accéder, mais ils ne vont pas tous y accéder en fait. Mais ils ont tous la capacité d'accéder à ça. Après, il y en a qui vont y arriver, il y en a d'autres qui ne vont pas y arriver, mais quel que soit leur statut, leur origine, leur Donc on pourrait penser que je répète ce que tu dis, tous les hommes se valent, tous les êtres humains, on va dire, hein, tous les êtres humains se valent parce qu'ils ont tout ce potentiel de compréhension, même si tous ne l'exploitent pas. Ok. Autre chose, et qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord, pas d'accord avec tous les hommes se valent, Corinne? Alors, moi surtout, avec cet atelier-là, ce qui me met un petit peu en questionnement et en porte-à-faux, je trouve, c'est j'ai l'impression de me rendre compte que pour accéder à la compréhension, il faut quand même avoir aussi un peu de chance. C'est-à-dire, il faut avoir voilà, un certain niveau, des capacités, être entouré, ci et ça. Et du coup, je me dis, mais. Ça veut dire que la philosophie de Spinoza, c'est une philosophie pour des gens qui peuvent s'en sortir déjà, potentiellement, parce que les autres, je n'ai pas l'impression qu'ils y aient accès. Donc, ce serait élitiste, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ce que je viens de me rendre compte là, hein, avec cet atelier. Ceux qui peuvent bénéficier de cette compréhension, Ouais. c'est voilà, la chance pour certains. On leur a ouvert les yeux ou, par leur parcours, et d'autres n'ont pas la chance d'avoir les yeux qui s'ouvrent. Hein. Okay. Donc, ce serait une philosophie élitiste. Hélas. Oui, mais alors s'il dit que tous les hommes se valent, peu importe que tu aies rencontré quelqu'un ou que tu aies fait ce parcours qui t'a mené à comprendre. Oui, mais parce que lui, c'était un génie quand même. Donc, si il le voit à travers son prisme à lui, c'est sûr que lui, il a pu démonter tous les obstacles, il a pu Oui, oui. pardonner tout ça. Enfin, il a une vie incroyable et il a Oui. tout surmonté, mais. Est-ce que tout le monde est capable de ça? Peut-être oui, mais. Mais lui, il dirait, mais c'est pas grave, tout le monde se vaut, le démon et le sage. Mais tout le monde ne peut pas faire ce parcours qui mène à la sagesse, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Est-ce que tous les humains se valent? Hélène? Moi, j'aurais tendance à dire que Spinoza, il montre un chemin quand même. Alors après, le chemin, il devient élitiste parce que peut-être que c'est une structure ou une société qui en fait un chemin élitiste. En fait, il montre. Et après, ce serait à tout le monde de se regrouper. Ceux qui comprennent peut-être plus difficilement, bah, de les aider à comprendre. Hein, le chemin de Spinoza, en fait, voilà, il montre une carte avec une. Et après, ce serait à nous tous de se pencher dessus, comme par exemple on fait ce soir, et de rendre accessible. Donc, c'est peut-être pas franchement ce qui montre qu'il est inaccessible, c'est ce qu'on en fait, quoi. Peut-être. Enfin, ce qu'une société en fait. Ou... Oui. Si dans les faits, tous les hommes ne se valent pas, parce qu'effectivement, il y a des criminels, il y a des gens qui font avancer tout le monde. C'est peut-être un problème de société, c'est ça ce que tu dis. La société devrait favoriser
Voilà, c'est-à-dire que lui montre un chemin et on pourrait peut-être aider, bah, je ne sais pas, les natures moins douées, etc., à ce moment-là, par un système de solidarité, Et peut-être pour que faire comprendre son chemin à lui, quoi, pour pas que ça reste. le sage qui s'enfermerait dans sa tour d'ivoire, bah, il serait pas, il voudrait pas beaucoup, quoi. Ouais, peut-être, donc, ça me donne des arguments pour la prison, tout ça. Ok, d'accord. Oui, parce qu'en prison, moi, j'ai vu un monsieur qui est pédophile. Qui a pris 17 ans, hein, c'était pendant le Covid que j'ai changé avec lui, et au début, il ne comprenait pas le problème, hein, il pensait que l'ado qu'il avait violé, il était consentant, et puis, à force de discuter, un jour, il a compris le problème, quoi, qu'il avait un ascendant sur ce garçon, et que ça l'avait complètement, parce que je lui apportais pas mal d'articles sur ce que peut vivre une personne qui a vécu ça. Il a compris et il a eu vraiment un sentiment de honte très très fort à ce moment-là, un affect négatif très très fort. Et après, il a beaucoup lu là-dessus, il a fait des études de psycho, il est parti en centre de détention pour essayer d'aider les personnes qui ont ces problèmes de pédophilie, quoi, de pulsions comme ça, qui comprennent pourquoi ils ont ça justement et qu'ils apprennent à gérer ce truc, quoi. Ouais, je pense que là, il y a un truc à faire qu'il a compris, mais tous ne comprennent pas, mais en tout cas, lui, il a compris. Ouais. Et ensuite, ouais, je trouve ça super son projet d'essayer d'aider d'autres personnes qui ont ces pathologies plutôt que de les condamner à tout jamais. Ouais. Donc, voilà, tous les hommes se valent. Ok, bien. Bah écoutez, on a encore une séance la semaine prochaine. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est s'il y a un point que vous avez envie de travailler particulièrement, vous m'envoyez un mail. Hein. Ça pourrait être pas mal que ça vienne de vous aussi. Et puis, on reprend ça. Vous me direz, sinon moi j'avais pensé à quelque chose qui est intéressant, c'est à la fin du livre, mais proposer d'autres choses aussi, hein, c'est quand il montre que pour surmonter sa tristesse, il faut éviter de... Je ne me souviens plus exactement comment... Il faut pas trop l'examiner, quoi, il y a un truc comme ça. Je sais plus, je trouvais ça bizarre. Je sais plus l'intitulé, mais il y a un chapitre comme ça, un Oui. intitulé à la fin du livre. Vous vous La souvenez? tristesse est toujours mauvaise. C'est ça, et qu'il faut pas trop aller la regarder, quoi. Il y a un truc comme ça. Ça m'a interpellée personnellement, mais après, si vous avez envie de travailler là-dessus, on peut travailler là-dessus. Mais si vous avez d'autres propositions, bah, j'attends jusqu'à, on va dire, lundi. Hein, et puis lundi, bah, vous pouvez les mettre peut-être dans le Google Doc. Vous m'envoyez un petit message pour me dire. Enfin non, c'est pas même pas la peine de m'envoyer un message. Vous mettez vos propositions dans le Google Doc. Et puis si vous n'en mettez pas d'ici lundi, bah, moi j'en mettrai. Mais essayez d'en mettre, ça c'est pas mal. D'accord? Hein, sur un problème, une question par rapport à Spinoza. Bien, et eh ben bonne soirée. Merci Laurence. À la semaine prochaine. Bonne Enfin, soirée. bonne Hein. soirée. Merci.